Bonjour chers frères et sœurs internautes. Nous poursuivons notre série de vidéos sur les matriclants à Caen, c'est-à-dire de grandes familles en ligne maternelle. Et c'est une institution qui est quasi universelle dans le monde à Caen. C'est une institution qu'on retrouve au sein de plusieurs ethnies de l'ensemble à Caen. Et je ne cesse de le répéter que le peuple à Caen, l'ethnie à Caen la plus connue, le peuple à Caen le plus connu, c'est le peuple à Chantilly. Voilà, c'est le peuple à Chantilly. Alors, donc nous avons parlé déjà de trois matriclants. Le matriclant Douafo, qui a pour symbole le chien et le feu. Le matriclan Ezoulé, qui a pour symbole l'eau, le riz, le serpent, la corneille, le corbeau. Nous avons aussi parlé du matriclan, je ne sais plus, Adarone. Voilà, le matriclan Adarone. Voilà, c'est ça, le matriclan Adarone. Voilà. Aujourd'hui, non, plutôt Aloroba. Voilà, nous avons parlé du matriclan Aloroba. D'ailleurs, les Aloroba, les Adarone et les Azanoulé dont nous allons parler maintenant, anciennement formaient un seul et même clan. Mais ce clan s'est séparé en trois, s'est scindé en trois, pour donner les Aloroba dont nous avons parlé, qui sont appelés Oyoko chez les Ashanti. Je vous ai bien spécifié que la famille royale de la Confédération Ashanti est Oyoko, qu'on appelle Aloroba chez les Nzoma et qu'on appelle Alangwa chez les Agni. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un matriclan justement qui anciennement avec les Aloroba et les Adarone formait un même matriclan. Il s'agit du matriclan que les Nzoma appellent Azanoulé et que les Agni appellent Asanglo. Mais chez les Ashanti et chez d'autres locuteur de la langue Cui, ce matriclan est appelé Kona Asokore. Alors, vous voyez que d'ailleurs, à travers le nom Asokore, c'est ce nom-là qui, dans la tradition Nzema, est-il dit, désigne l'ancêtre le plus ancien connu des Azanoulé. On l'appelle Asokone Ei. Vous voyez? Et l'une des grandes chefferies créées par ce matriclan, c'est la chefferie de Bantama. Et vous savez que les chefs de Bantama ont été de grands chefs guerriers au service de la Confédération Ashanti. Au début même, c'est eux qui occupaient le poste de Krontihine, c'est-à-dire chef d'état-major de l'armée des Ashanti. Alors, chez les Ébriers, puisque je vous ai dit que c'est une institution qui est universelle chez les Akans, et même universel au-delà de tous les peuples, même ceux qui ne le savent pas, disent-ils. Ce matriclan est appelé Abromando. Et on dit d'eux que c'est des gens qui ont été ruinés, qui sont malheureux. Chez les Aché, ce matriclan est appelé Nye. Et on dit les Nye, là, c'est des gens qui ont été dégoûtés de la vie. Ils sont dégoûtés de la vie parce qu'ils ont subi de grands malheurs. Eh bien, tenez-vous bien, chers frères et sœurs internautes, cette même idée, on la retrouve chez les Nzema. Les textes littéraires, parce que ce sont des textes véritablement littéraires, des sortes de poèmes chantés et pleurés par les pleureuses, disent des Azanoulé que c'est des pleureurs. On les appelle Aouleilema, c'est-à-dire ceux qui pleurent, les pleureurs. Parce qu'ils ont subi de grands malheurs. Notamment, l'un de leurs malheurs, ça a été la guerre de Moho. Ou plutôt la grande bataille de Moho. Durant laquelle un grand nombre de leurs parents a été massacré par les Adjomolo. Ça s'est passé sur le territoire de l'actuel Nzema. D'ailleurs, Moho, où il y avait un clan qui a accueilli les Azanoulé qui voulaient se cacher. C'est là que, à cette bataille-là, ils ont été vaincus et qu'ils ont perdu beaucoup de membres de leur famille.
Oui. Si bien que ils sont qualifiés de pleureurs. Mais à ce matriclin, quels sont ses symboles? Son premier symbole, c'est l'igname. On dit que ce sont les ancêtres des Azanoulé qui ont découvert l'igname, non seulement l'igname sauvage, mais ensuite c'est eux qui ont domestiqué l'igname et qui en ont fait une culture pour la mettre à la disposition de leurs autres frères. Vous voyez? C'est pour ça que ces manuels qui font croire que la plupart des vivres que nous consommons en Afrique de l'Ouest sont venus par le biais des Européens à travers des découvertes qu'ils ont eu à faire aux Amériques, m'a toujours étonné. Ces manuels-là, leur contenu m'étonne. Ce n'est pas vrai du tout. D'ailleurs, il est prouvé que durant le Néolithique, donc dès 11 000 ans avant Jésus-Christ, il y a eu une importante culture de l'igname dans ce que le professeur Adou Boyen a appelé le Dahomey Gap. C'est-à-dire, dans le nord du Dahomey actuel, on a des preuves que l'igname a été une culture pratiquée, hein, une plante cultivée depuis des siècles. Mais d'où vient-il alors qu'on vient nous dire que ces plantes-là, etc., ce sont les Européens qui nous apportent? Non, peut-être qu'ils ont apporté d'autres variétés. Parce que ces plantes-là ont plusieurs variétés. Voilà. On dit donc les ancêtres des Azanoulé ou Asangulo chez les Agni, ou Abromando chez les Hébrides, ou Nye chez les Aché, ou Ogoussi chez les Abourés, plantaient l'igname. C'est eux qui ont découvert l'igname et c'est eux qui ont pratiqué les premiers sa culture. D'ailleurs, la famille royale des Essouma d'Assini, beaucoup de gens connaissent Assini à cause de sa belle plage, etc. Mais la famille royale des Essouma est Azanoulé. Est Azanoulé. C'est pour ça que quand ils étaient sur les îles, hein, ce qu'on appelle les îles Wotile, leur zone était appelée Asoko, sur la grande île d'Asoko Monobara. Vous voyez donc toujours ce nom Asoko, qui, chez les Ashanti et autres, chez les Achim et autres, les locuteurs du Kui, désigne le clan qui est appelé Kona Asokore. D'ailleurs, dans le nom Kona, vous avez le clan qui se bat. Voilà, le clan guerrier. Voilà. Cette idée-là, on la retrouve aussi bien chez leurs frères Aloba que chez leurs frères Adarone. Alors, l'un des royaumes aussi que ces Azanoulé ou ces Kona Asokore ont créé, c'est le royaume de Achim Bosome. Achim Bosome. Je vous ai parlé déjà de l'importante chefferie de Bantama. Mais dans le Bronjama, c'est eux qui ont constitué le groupe qu'on appelle les Kwatioma. La famille royale des Kwatioma est Kona Asokore. Voilà, elle est Kona Asokore. Dans le Nzema, puisqu'ils ont été massacrés, ils ne sont pas très nombreux. Dans le Nzema, ils ont créé seulement quelques chefferies. Notamment la chefferie de Amishabile Bukazo, qu'on appelle Ebi Bukazo. Voilà. Et puis aussi, Ambenou. Voilà, la chefferie de Ambenou. Mais la tradition se souvient qu'anciennement, ils avaient créé un vaste domaine qu'on appelait Azanoulenou. C'est-à-dire à l'intérieur des Azanoulé. Donc, ce clan-là s'était regroupé dans cette zone-là. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui explique leur guerre contre les Adjomblo, parce que les Adjomblo voulaient que tous les peuples qui étaient dans cette zone qui va devenir le futur Nzema soient sous leur domination. Et ces Adjomolo, eux, leurs dirigeants principaux, la famille royale, étaient Mvavili. Voilà. Et c'est ainsi que donc les Azanoulé ont subi un massacre et Azanoulenou a été détruit. Azanoulenou a été détruit. Voilà, Azanoulenou a été détruit. Voici donc présenté l'un des matriclans Akan. Donc dans l'esprit des Akan, si vous avez quelqu'un qui souvent est triste, affiche un visage triste, comme s'il est découragé de la vie, on va dire, mais celui-là, il a l'attitude des Azanoulé. Il a l'attitude de Kona Asokore. Voilà. Il a l'attitude des Asangulo, comme diraient les Agni. Il a l'attitude des Abromando. Hein, ceux qui sont malheureux, ruinés, comme le dit la tradition des Hébrides. Donc,
Voici présenté l'un de ces matriclants à Caen. Je crois que c'est le quatrième que nous venons de présenter. Il nous en reste encore trois. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Je le dis, ceux qui sur Facebook n'arrivent pas à voir mes vidéos parce que bon, c'est un déroulé sur Facebook. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Vous n'avez qu'à taper sur YouTube professeur Alou Kwame René. Et puis le sujet qui vous intéresse, vous tapez cela. Si c'est le peuplement ébrié, le peuplement haché, le peuplement mandingue, le peuplement sénoufo, etc. Et puis aussi, j'ai fait des vidéos sur la question de la traite négrière. Et maintenant, j'ai fait des vidéos sur les matriclants à Caen. Nous aborderons bien d'autres sujets, hein, même sur les raisons réelles de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, je fais cela pour dire le peu que je sais en tant qu'historien, pour le mettre à la disposition du grand public. Je vous souhaite une très bonne journée. Je suis, comme je l'ai dit, le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire qui enseigne à l'université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody-Abidjan en Côte d'Ivoire. Merci et à très bientôt.